Good morning, allez, Iden, les juifs sont aujourd'hui le Lunishmat François Vachy Ben Chana, Janine Ruth Batrantou de Mazan Fritna, Claude Chambou Ben Shalom, Michaël Ben Linda et Moshe Ben Solvanich. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet P.A. Perek et Mishnah Aleph. Gadish Shelo Lukat Tartav, Kol Anogea Ba'arex Areu Shalaniim, Aruach Shepizra et Aomarim, Omdim Kamar Ota. עומדים אותה כמה לקט היא ראויה לעשות, ונותן לעניים, רבן שמעון בן גמליאל אומר, נותן לעניים בכדי נפילה. On s'intéresse dans notre Mishnah au mélange entre la récolte du propriétaire et les dons qu'il devait faire pour les pauvres, en l'occurrence le leket. J'appelle le leket, c'est lorsqu'on cueille le blé. Ce qui me tombe des mains pendant que je cueille, une certaine quantité, on aura une certaine quantité après, ce sera précisé vers la fin de la mission, on expliquera mieux. Donc, ce qui te tombe, deux gerbes, tu les laisses par terre pour les pauvres. Et forcément, chaque fois que tu cueilles, il y a forcément quelques gerbes qui me tombent, c'est très bien, c'est là, tu auras à insister pour que tu laisses ça pour le bien des pauvres, pour laisser pour le bien des pauvres, tu auras le droit de le ramasser. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on a cueilli le blé, et on est parti l'entasser. On est parti le temps de l'entasser, le faire en tas, là où on avait oublié, les pauvres n'étaient pas encore venus chercher leur lesquettes. C'est-à-dire, imaginez une certaine surface là, de quelques 50 mètres carrés par exemple, on a travaillé pour cueillir le blé, on a eu du lesquettes qui est tombé, moi et mes employés, on a tous cueilli, et ce qui se passe, c'est qu'après, pour entasser le blé, on est parti faire un tas, là on a laissé du lesquettes par terre. D'accord? Donc, c'est à dire que maintenant, il y a moi, mon tas de blé qui est là, et il y a en dessous du léquette. Combien de léquettes? On ne sait pas. La Mishnah me dit, Gadish Shelo Lukat Tartav. Un Gadish, on n'a pas fait le léquette en dessous. Parce qu'on a entassé le blé, là où il y avait du léquette en dessous. Kolanogea Ba'ares, tout ce qui est, touche la terre, Areu Shalanim, ce sera pour les pauvres. La Mishnah me dit, tu sais quoi? On va te faire un Knas. Puisque tu ne sais pas combien il y avait pour les pauvres, combien pour toi, toute la surface inférieure, ouais, c'est tout, tu la laisses pour les pauvres. C'est un knas, c'est une amende qu'on a mis pour toi. Comme ça, la prochaine fois, tu feras plus attention. Tu ne fais pas d'estimation, plus ou moins. À la différence du cas d'après. Un roar chez Pizra et Taomarim. Là, cette fois-ci, moi, j'ai fait mon tas, là, à côté, et là, il y a ici le champ pour les pauvres. Et les pauvres ne sont pas encore venus ramasser leur blé. Mais ce qui s'est basé, c'est qu'à Rouach, chez Pizret, à Omarim, il y a eu un vent qui s'est levé et qui a poussé tout le tas et qui a tout fait tomber sur la balle de l'équette. Donc moi, je ne suis pas du tout fautif. C'est la faute à pas de chance que tout s'est mélangé. Qu'est-ce qu'on fait? Là, cette fois-ci, je ne vais pas te dire que toute la partie inférieure, elle appartient pour les pauvres, non, pas du tout. On va juste te dire que Omdim Kama, Omdim Mota, on va évaluer le champ. Combien l'équette irouya la saute? Combien de l'équette un champ pareil est censé faire, on va estimer selon les employés que tu utilises, on va faire une statistique selon les dernières semaines, combien tu as, lorsque tu as cueilli ton blé, combien il y a eu de choses qui sont tombées avec à peu près le même groupe de personnes et le même groupe d'employés. Donc vous faites tomber tel et tel et tel, dans ce cas-là, laisse cette même quantité aussi de nouveau toi aussi. Même si tu te loues. D'accord? Et cette fois-ci, on ne va pas dire que toute la partie inférieure, c'est pour la perte du propriétaire, parce que là, cette fois-ci, il a rien fait de lui-même. Au début, il n'a pas fait attention. Il n'a pas bien surveillé le leket. Il s'est accaparé le leket des pauvres. Là, cette fois-ci, il n'a rien fait de mal. Lui, il a mis son tas à côté. Le vent, il est venu, il a pu disperser. On ne peut pas réclamer le vent. Dans ce cas-là, on va faire une estimation de combien, toi, selon ton champ, selon ton équipe avec laquelle tu travailles, combien vous avez l'habitude, plus ou moins, de laisser du leket. Et tu devras donner la contrepartie, de donner aussi du leket. Ça, c'est l'avis de Tana Kama. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel me dit non, noten anim bichdei nefila. Il me dit Rabban Shimon ben Gamliel, non, tu donnes pour les pauvres bichdei nefila. Alors, c'est une phrase un peu pas assez claire parce qu'elle peut être interprétée de deux manières en fait. On va expliquer là, selon Barthénois qui explique, tu vas pas faire une estimation précise cette fois-ci selon toi et ton tsevet. Mais plutôt, on va faire noter l'anime birden du là, tu vas donner aux pauvres, comme ce qu'il est d'usage de laisser. Ça veut dire, en fait, la phrase elle est floue, on ne l'a même pas tellement compréhensible. Le Barthénois explique que
Il vient nous dire, Rabban Gamliel, ne va pas faire une estimation toi avec ton équipe d'employés qui vont cueillir, combien vous avez l'habitude de laisser. Non, on a un barème bien clair. Un barème bien clair qui est admis de tout le monde, c'est Birte Nefila, pour donner une idée juste, parce que ça m'intéresse, c'est de savoir que pour un cours de blé, il y a 30 CA, et dans 30 CA, il faudra laisser 4 câbles. C'est-à-dire, vous rappelez de Escalabudo, FA, CA, CAV, log, ce qui m'intéresse, c'est le CA et CAV. CA, c'est 6 CAV. Chaque CA, c'est 6 CAV. Un cours, c'est 30 CA. Donc, si c'est 6 CAV, ça va nous faire 180 CAV. Et pour 180 CAV, eh bien, l'usage, l'habitude, elle est d'avoir 4 CAV sur 180. Donc, ça va nous faire, en fait, 2 sur 90, 1 sur 45, 1 45e de ta récolte. Il faudra les laisser pour le pot, parce que c'est l'estimation. En général, des choses qui tombent naturellement pour les pauvres, et ça fait l'équivalent de 1/45, d'accord? Donc en fait, c'est juste pour te dire, Rabban Gamliel te dit que tu ne fais pas une estimation toi selon ton équipe et selon ton genre, tu fais tout simplement tu te fondes sur le barème qu'on a l'usage de savoir combien de l'équête tombe en général dans un champ. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sacha Koltou, c'est là.